Sommer, Amischung zwischen Erfahrung und Jugend, pensioniert die Vormanner gerne vor Kinder, Klagerheit, Handwerker zu entdecken. Jeder Mittwoch verbringen sie den Mittag miteinander, hier in Hagenau, sind alle viel mehr, wo es geschieht. Et die Handnahme, es geht los. Voilà, maintenant tu traces un trait ici, un trait là. Ah, ben voilà, tu l'as. Je trace des traits pour qu'on coupe après et qu'à la fin ça va devenir un casse-tête. Sbleivis et de Hond und Blues auf dem Buckel. Storian entdeckt immer ein Arvet, mit dem Holz schafft's gar. Je préfère couper. Je dessine aussi, mais je préfère quand même couper. 13 Kinder, zwischen 9 und 14 Jahre alt, dürfen mit freiwilligen Vormannern von Retretern lehren. Die Beschäftigung vom Mittwochmittag organisiert für ein Luti en main mit dem Ziel, ein besseres Bild von der Handwerker zu geben. Ich bin noch immer ein bisschen unterschätzt worden. Nicht der Handwerker, voilà, travaille à la main. Aber man muss doch den Kopf haben. Nicht, es ist der Kopf, der die Hand fährt. Es ist immens Plaisir, wenn man die Mädchen hat. Es ist, voilà. Und ich finde, sie schicken sie gut. Ah, prima, ja. In Hagenau können die Kinder nicht Handwerker entdecken. Vous avez l'activité mosaïque, avec le principe les enfants choisissent le motif et la réalisation, comme toutes les réalisations qui sont dans toutes les activités, sont emportées par les enfants. Là, vous avez l'activité menuiserie et donc les enfants découpent, assemblent. Là, par exemple, ils vont faire un mangeoir à oiseaux. Ce n'est pas une préorientation. Moi, je prends toujours l'exemple de l'électricité. Un enfant qui se découvre des vocations d'électricité peut très bien être électricien dans une entreprise et peut être ingénieur. Donc l'objectif, c'est la découverte. Après, c'est un choix qui devient personnel. Est-ce que je vais vers du manuel ou est-ce que je vais un peu plus loin dans une formation? Ce verein l'outil en main fait une rêverolle en Frankreich. 13% von den Kindern, die mitmachen, choisiront später ein Handwerk. Der Maxim verbringt den Mittag mit einem Elektriker, was er lehrt, quand er immer da wichtig ist. Et tu vois toujours, l'isolant doit toujours être jusqu'au bord du domino, de telle façon que tu n'aies pas de partie nue qui te permette de t'électriser après. Hein? D'accord? On apprend à manier des outils du quotidien, à fabriquer des objets, et donc c'est très intéressant parce qu'après on peut montrer ça à papa et maman. Quoi. Quand on est plus grand et quand on veut faire une maison, bah, si on ne veut pas payer un électricien, bah, on peut aussi le faire soi-même. Wir sind voll dabei. Wir sind begeistert und so wie jetzt auch, hat man schon zwei, drei Informationen gehabt, weil hat es schon ein bisschen gelernt en cours de technologie. Donc quelque part, sie kommen nicht von nichts. Quoi. Und noch muss es ihm gefallen und voilà, quoi. Aber auch ist interessiert der Maxim, gell? Das findet alles im Lycée des Métiers von Hagenau statt. De Morgan Hetover et Narirtiki Metzgerei Derfa. Cette hauteur, un peu plus, au-dessus, encore, encore, voilà. Et tu le pousses dedans. C'est une chance parce que généralement, quand tu achètes ton jambon, tu vois juste l'entrée et tu peux pas voir comment ça se prépare ni rien. De Thierry Fechter et Svomelia Betrieb Widerstnuma. Il fait un peu plus sombre. Van Kinder en Metzour met Timbob Akora. Regarde les animaux qui sont un peu plus grands là derrière. Ça, ce sont les bœufs, hein, les petites génisses. Et là-bas, on a les petits agneaux au milieu. Regarde, tu vois. Mm-hmm. Et les cochons, ils sont dans un autre frigo. Metzger, Mömer, Emerhorn. Und man sieht nicht mehr so viel. Und wenn man die Jungen nicht ein bisschen alles explizieren, was man macht. Nous avons marqué les premiers et nous avons fait une fin de ces jours. C'est nous qui avons mis sur le land. Metzger, Schreiner, Mechaniker, Künstler vom Alltag. Als die Beschäftigung in Hagenau angefangen hat, haben drei Kinder mitgemacht. Drei Jahre später sind sie schon viermal mehr. Azaira, Osthandwerker und der Junge noch gefallen.